c'était une école extraordinaire. On est formé par des collègues très très compétents sur chacun des secteurs du monde de la banque, de la finance, de la gestion d'actifs, etc. On est entouré de femmes et d'hommes qui sont passionnés, qui ont de l'envie, qui ont de l'ambition au sens positif du terme, qui veulent faire progresser notre entreprise. Mais on est aussi aux côtés des personnes que nous auditons parce que ça vous oblige à des standards d'excellence vraiment au top. Et puis également, vous apprenez beaucoup de ces dirigeants qui eux-mêmes ont un parcours très riche. J'ai intégré tout d'abord la Caisse régionale d'Île-de-France en tant que responsable des risques, puis directeur du développement du crédit et enfin directeur du marketing et de la distribution. J'ai ensuite intégré la Caisse régionale de Centre-Est à Lyon comme directeur général adjoint, expérience à l'issue de laquelle j'ai été nommé directeur général délégué de Crédit Agricole CIB, notre banque de financement et d'investissement. Et enfin, très récemment, depuis un peu plus de 2 ans, je suis le directeur général de la Caisse Normilly-Pyrénées. Je m'appuie sur ce que j'ai appris à l'inspection, la discipline, la précision, et puis ça peut paraître surprenant peut-être, mais des qualités d'entrepreneurship. Donc tout cela, eh bien, au quotidien, j'essaie de le vivre et de le partager, de le faire partager aussi à mes collaborateurs et tous ceux avec qui je travaille. Au Crédit Agricole, si on le veut, on le peut. Si on est motivé, si l'on a envie de progresser, d'apprendre, eh bien on peut être confronté à un univers très riche, avec des expériences très diverses, qui vous rendent plus fort, qui vous donnent des vraies compétences professionnelles, mais aussi personnelles, pour ensuite assumer des responsabilités très importantes dans l'univers de la banque.